think we'll get started. حضرتك هنا هنا في النص على صدق تحب حضرتك تقعد في أول صف ولا عايز تقعد في عايز تقعد هنا؟ Oh, you want to be here yourself? بحيث ان I'll be moderating. Okay. Good afternoon, is it, or good morning? Good morning, everyone. And thank you for joining us. It's a great pleasure and an honor to welcome to Room 226 this morning the Prime Minister of Djibouti, His Excellency Mr. Dileita Mohamed Dileita. And we have as well the Foreign Minister of Djibouti, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Youssef. They are here to brief you on peace and security in the Horn of Africa. I understand His Excellency the Prime Minister will have a brief opening statement, after which he has to leave us to attend to urgent matters, but the Foreign Minister will stay behind to brief you on the subject matter. Mr. Prime Minister, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم je peux parler en français non est-ce qu'on a des traducteurs non not this morning sir non bon on va faire la traduction c'est en anglais parce que l'ambassadeur هو بيتكلم اه oui تفضل حضرتك هنا لو حبيت je voudrais d'abord vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à moi et à la délégation qui m'accompagne. Je suis venu de Djibouti en compagnie du ministre des Affaires étrangères et d'une délégation pour expliquer au... Voilà. Il y a deux jours, je suis venu de Djibouti pour venir expliquer au président, au secrétaire général, au président du conseil et ainsi qu'aux membres du conseil de sécurité la situation qui prévaut dans la région de la Corne d'Afrique, à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée. Well, thank you for receiving me this morning. We are on a visit here, accompanied by the foreign minister. We are here to explain our case with Eritrea, a recent development in the border area between Djibouti and Eritrea, which has known some problems since recently. So we are here to make our case and brief the members of the council and to the secretary general and to make our issues known by the international community. La situation qui prévaut dans notre région est que depuis plus de deux mois, il y a eu une agression de la part de forces érythréennes sur notre territoire. L'Érythrée pour nous est un pays voisin avec lequel Djibouti entretenait de très bonnes relations, des relations très particulières. Nous avons subi cette agression il y a deux mois. Jusqu'à présent, la situation est très confuse parce que nous n'avons jamais réussi à comprendre le pourquoi de cette agression. Jusqu'à présent, je crois que vous lisez dans la presse les déclarations de la partie érythréenne. Pour eux, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de le moindre problème entre Djibouti et l'Érythrée. Et pourtant, sur le terrain, nous avons perdu des hommes, nous avons beaucoup de blessés. Il y a eu la guerre qui a été déclenchée il y a plus de depuis le 10 juin. Et notre raison d'être aujourd'hui à New York, c'est pour expliquer à la communauté internationale que nous souhaitons, nous, Djibouti, que la situation puisse, que la communauté international puisse envoyer un message clair à la partie érythréenne pour pouvoir accepter la médiation, accepter le statu quo ante, que les deux forces érythréennes et djiboutiennes puissent revenir à leur situation qui prévalait dans le temps. Well, he said a lot, the Prime Minister. I don't know that I can catch up with him. Let me try. In the last few months, we have known this aggression and we have experienced this aggression at the border from the Eritrean side. Eritrea is a neighborly country. We haven't had any problems for a long time. This aggression has claimed lives and a lot of wounded and prisoners, deserters, all kinds of things. All that being the story, however, this aggression is totally denied
by Eritrea that it exists at all. But this is something that exists, as we have just said, that it is on a mark is on the ground, and it has prisoners, and it has deaths, it has casualties, it has damages, it has everything. So since January 10, we have had that problem. What we are trying to impress upon the international community is for Eritrea to accept that they are on the wrong side of this story, that they cannot deny the fact that they have committed an aggression against us, that they have to pull out from where they are to this Tisco Anti, and that they have already pulled, but they are there where they have occupied, and the incursions they have made into our country, they are still intact inside our own country. Avant le déclenchement, Djibouti avait sollicité de la part de la communauté internationale. Nous avons saisi le Conseil de sécurité, mais aussi la Ligue arabe, l'Union africaine. Comme vous le savez, l'Union africaine avait dépêché une délégation, le commissaire au pied de la sécurité s'était déplacé à Djibouti. Une équipe technique s'était déplacée avec des militaires et les cartographes qui sont venus et se sont rendus sur place. La Ligue arabe aussi a envoyé une délégation. Et de l'autre côté, ils n'ont pas eu de réponse adéquate à leur demande parce qu'ils ont voulu en même temps se rendre aussi en Érythrée, mais les Érythréens ont toujours refusé de recevoir n'importe quelle délégation. Et ici au niveau du Conseil des déclarations, comme vous savez, il y a eu une déclaration condamnant l'agression érythréenne. Et aujourd'hui, nous sommes venus expliquer un peu au Conseil de sécurité, en compagnie des ministres des Affaires étrangères, pour expliquer notre position, que nous sommes prêts à discuter, quelle que soit la situation. S'il y a les moindres litiges à la frontière, nous sommes prêts à s'asseoir à la table de négociation et présenter tous les documents que nous avons pour pouvoir trouver une solution à l'amiable en tant que pays voisin. Before the outbreak of the war, we bilaterally have reached out to Eritrea, to the Eritrean authorities at every level. We failed to make any headway with our efforts, and then the regional organizations like the African Union, the League of Arab States, Goodwill Missions have come to visit both countries. They did to our country, not only did they come to the capital, but they have also visited the border. But unfortunately, and also some influential friends, heads of countries who have been trying to unlock this issue, who have talked to us and have provided us goodwill offices. But as far as Eritrea is concerned, they have rejected all these goodwill missions, and not a single goodwill mission could go to Eritrea, nor will they entertain the efforts of the various heads of states who were able to talk to us and try to talk to them. They could not entertain that. So none of the goodwill missions could go to Eritrea up to now, whereas everybody has come not only to us, but they have visited the border. This, as you know, the Security Council has already issued a PRST, presidential statement, which is very strong and which points to the fact that Eritrea should pull out of the status quo ante with a condemnation. As far as we are concerned, we are ready for any mediation, for any lessening of this hostility, this tension, whatever that may be and whatever form or shape it takes. Pour vous citer aujourd'hui la situation qui prévaut aujourd'hui à l'heure où je vous parle, depuis l'événement tragique du 10 juin, nous avons subi bien sûr une agression où nous avons perdu beaucoup d'hommes et les Érythréens ont accaparé l'ensemble du territoire, enfin de la portion de Ras Dumera. Ça veut dire qu'ils occupent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, toute l'île de l'île de Dumera et de Ras Dumera, ce qui fait que c'est au moins de 5 à 6 km², une proportion de 6 à 6 km² où il y a